Bon, ça suffit. Bah bonjour à tous du coup, hein. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Ragnablock. Je suis en compagnie de ML. Yo. Hello. Mega. Hello. Et Crawler. Yo, bonjour. Et une sorcière, elle vient de me faire. Ah oui. Ouais, il y a une sorcière. Où est-elle? Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Elle est là. Bon, bref. Elle est où? Mais casse pas tout. Oh là, le sac. Ah, le sac. Il a ah ouais, il y a encore plein de creepers dedans en vrai. Ah, tes conneries. T'es en train de dézaguer mon parc. C'est parfait pour commencer l'EP. T'es parfaite l'intro là. Ah là 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 là. Voilà, bon. Reconnecte-toi. C'est bon, c'est bon, ils sont morts. C'est... Oui. Ok. Oula, oula, non, ils sont clairement pas morts, ML. Oh. Alors reviens par ici et fais une échelle. Voilà, t'as de l'eau là, t'as de l'eau, remonte. Remonte, vite, remonte, 10 HP. Sors. C'est pire que Fort Boyard. Ah la vache. Bon, y'a plus qu'à reboucher, hein. Oui. Ouais. Ouais, ça va aller vite. Bon, Daft, t'éviteras de faire le con maintenant. Ouais. Petit con. Donc, on se retrouve pour l'épisode pour le parc sur Ragnaland. Oui. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous présenter un peu les épreuves. Et puis après, ça sera à vous de faire le meilleur chrono possible. J'ai juste vous demandé de pas passer sur les plaques de pression parce que ça déclenche le chronomètre. Et vu qu'il n'y a pas un reset automatique, ça serait cool de pas appuyer dessus avant de commencer l'épreuve. Ok. Alors du coup, ça commencera ici. Ensuite, on appuie sur les plaques de pression. Ensuite, il y a le chronomètre qui se déclenche. Mm-hmm. Donc 100 secondes, hein, on peut aller jusqu'à 999 secondes, sachant que en gros, vous allez mettre normalement 500 secondes environ à le faire, voire un peu moins. D'accord. Donc la première épreuve, ça sera ce jeu, donc le jeu de basket. Donc vous prendrez le minecart plus les slime balls, donc les slime balls qui représentent le ballon de basket. Ensuite, juste ici, vous avez un levier, donc qui est accessible juste avec le minecart ici. Et ça va déclencher les plateformes. Donc de là, vous allez monter dans le minecart et vous allez faire des allers-retours sur les rails. Et le but, c'est de viser le panier avec les slime balls, mais en droppant les slime balls sur les plateformes vertes qui sont ici. Pour que ça rebondisse. Voilà. Ah, il faut balancer les... Ah oui, d'accord, faut tirer les slime balls sur les slime. C'est ça. Ouais. Alors l'idée, en fait, une petite astuce, c'est que en visant le panier de basket avec votre curseur et que vous avez, en droppant les slime balls, vous avez la trajectoire vers le panier de basket directement. D'accord. Donc à partir du moment où vous aurez mis une slime ball dans le panier de basket, ici ça va se déverrouiller, vous allez pouvoir passer ici. Ensuite, vous allez passer devant le chronomètre, donc ça vous donne un visu sur votre temps. Et on enchaîne avec la deuxième épreuve. Donc cette épreuve-ci, il y a un arc, une flèche et un minecart. Et donc, l'idée c'est de prendre le minecart et de pénétrer dans cette grotte-ci. Et vous allez être bloqué par trois portails en fait. Donc c'est-à-dire que le premier obstacle, en fait, vous allez devoir trouver le bon bouton en fait. Avec l'arc, il va falloir viser les boutons. Mm-hmm. Et il y a un bouton qui déverrouille le portail à chaque fois. D'accord. Donc vous pouvez pas vous tromper. Par contre, juste un conseil, faites attention parce qu'en fait, quand j'ai placé des boutons avec le minecart, des fois ça arrive que la flèche tape dans le minecart et ça casse le minecart. Ah bah voilà. Auquel cas, vous continuez comme ça, vous allez avoir le minecart dans l'inventaire, vous continuez à tirer les flèches, et puis vous repartez en minecart dès que le portillon se déverrouille. Ok. Ensuite, vous allez passer jusque là-haut, et vous allez arriver à la dernière épreuve. Donc vous passez ici, et là, une spéciale pour toi, ML, ça va être du jump un peu. Non. Je sais que t'es fan de jump. Donc alors là, l'idée en gros, c'est un jackpot en fait. Donc c'est-à-dire que ce concept marche en plaçant du fer dans ce premier dropper. Donc en gros, il va falloir faire le parcours ici, aller chercher du fer. Bon, il faut que vous le réussissiez, hein, pas comme moi. Donc il y a un bloc de fer, donc il faut prendre un truc de fer à chaque fois. D'accord. Ensuite, vous le placez dans le dropper.
Ok. Et une fois qu'il est placé dans le dropper, vous appuyez sur le bouton et de là, ça va éjecter les items. Et si vous obtenez 3 épées d'un coup, eh bien, le portail se déverrouille et vous repassez sur le chronomètre qui est... et du coup, vous aurez votre temps au niveau du chronomètre. Oh, sympa. Donc voilà pour les explications. Je pense que j'ai rien oublié. Daft, vu que toi tu l'as déjà fait, si j'ai oublié des choses, n'hésite pas. Non, moi non, t'as rien oublié. Je vous avoue que vous allez bien vous poiler. Non, c'est bien poilé. Ça va être cool. Donc du coup, vous pouvez commencer. Je commence. Peut-être que tout le monde se mette derrière, histoire que les gens ne voient pas trop ce que l'autre. Enfin, le mieux c'est de ne pas aller dans l'endroit où ils tirent, parce que sinon on connaît les endroits. Il faut pas aller dans les grottes, parce que du coup vous allez découvrir quels sont les boutons qui déverrouillent les portails. Tu veux, méga? C'est sûr. Ouais, bon, bah, j'y vais. C'est bon, hein? Ouais, attends, méga, quand tu veux. Allez, hop. On y va. N'appuie aucune plaque de pression, méga. C'est vraiment classe, n'empêche. Attends, t'as pas activé le levier, en fait. Mais ouais, je suis un gredin. Vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment stylé de voir un chronomètre dans Minecraft. Yep. Ouais, tu t'en sors pas trop mal, déjà. T'as déjà la bonne trajectoire, quoi. Il cheat! Mais non, je cheat pas, ça suffit! C'est dur, hein? Ouais, c'est pas évident, hein? Et non! Alors, le plus simple, je vais te donner une petite astuce, c'est sur les côtés en fait, voilà, comme ça. Ouais, oh. Hey, presque! Oh. t'es pas mal celle-là! Ah, c'est dur! T'es arrivé! Allez, Emel! Allez, Emel! C'est hardcore! Tu veux que je fasse la pom-pom girl? Non, c'est allez, bon. Allez, c'est bon. Quitter le minecart et tu peux emprunter la sortie, du coup. Tu peux tout laisser comme ça, Emel, t'inquiète. Hein. Bon, attends, je remets tout, c'est pas grave. Hop, voilà. Et viens. Hop. La boule, vite. Ce qui serait stylé, c'est quand tu réussis une des épreuves, ça envoie des feux d'artifice. Ah oui, bien vu. Alors, tac. Ça peut tout à fait se faire, en plus. Donc là, je vais vous demander, mes gars, crawler, de pas rentrer, du coup. Alors, Ragnaland, hop. Ok. Donne pas d'infos audio. Ah bah merde. Ouais, tu vois, c'est le petit problème, comme je t'avais dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Putain. Mais. Le problème, c'est que t'as certains boutons où tu penses peut-être que c'est appuyé, mais que c'est peut-être pas appuyé aussi. Ah. Voilà. Ah voilà. Ok. Ok, on remonte, on est coincé là. Évidemment, ça va pas être celui qui est en face, hein. Ah! Ah, nice! Yay! D'habitude, c'est celui où on pète le minecart. C'est chaud. Oh, j'ai un bug de visu. J'ai un bouton qui a popé sur un. Sur un truc de canne à sucre. Bah moi j'ai de l'eau sur la canne à sucre là, donc ah merde, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je passe par là. Allez, ton épreuve favorite, le jump. Oui, non, voilà. Les j'enlève les élytras. C'est un peu pété, hein. Non, j'enlève les élytras parce que je vais pas y arriver sinon. Oh yeah. Alors là, le truc en plus, faut si prendre tu veux, c'est de l'élan. C'est le jump, mais en fait tu peux avoir de la chance au niveau de la roulette, et auquel cas tu peux très bien gagner du temps même si t'es pas à l'aise avec le jump. En fait, c'était ça l'idée. Aïe, okay. Clap. Oh, le retour, oui, il est du premier coup, mort de rire, quoi. Ah non. Ah. Les trois ont popé d'ailleurs, j'ai pas vu. Ouais, moi j'ai vu, il y avait deux épées et un bloc. Ouais, de... deux épées et un bloc. Ouais. D'accord. Okay. Yeah, ça va, tu t'en sors. Oh bah là, pour le coup, j'ai raté le retour. Hein. Attention. Tac. Ah ouais. Ok, si je loupe le premier jump, on va pas s'en sortir. Ça, tu gères bien le jump, hein. Grave. Ça va. Ah. C'est abusé. Oh, mais... Je vais faire un temps tout pourri. Alors, pour l'info, en fait, dans le premier, il y a 7 épées sur 9. Dans le deuxième, il y a 7 épées sur 9. Et dans le troisième, il y a 6 épées sur 9. J'aime pas les jumps. Il y a des orages de fou chez moi. J'espère que ça va pas couper. Hein. Parce
que là, ce que j'entends, ça fait peur. Ah ouais? Ouais. Oh putain, 3 blocs. Je te dis, je suis poissard, moi, mais à fond. Eh, c'est dans l'autre sens, ça. Allez, c'est la bonne, là. C'est la bonne. J'en mets des lagos de fer, hein. Ah bah ouais, je crois bien. Putain. Arrête de louper ton premier jump, bordel. Et t'inquiète, ML, on dit qu'il n'y a pas de chance au jeu, qu'il y a de la chance en amour, là. Hein. Oui, oui, bah oui, bah oui. Bon, j'ai bientôt terminé une ligne de fer, hein. Allez. Bon, bon, putain, ouais, ça y est. Ah, la nice. La porte. Donc là, ça va déverrouiller la porte. Et là, ah le portail. Et top. Ouais, ça va. 270. Et... Pas mal, hein. Je crois que t'as le record, je crois. Non, hein. Non. Mais parce que moi, je connaissais les boutons, je l'ai fait pour rigoler, mais au niveau de ceux qui me connaissaient pas. Ouais. Ah ouais, oh, j'avais fait tout ça. Ouais, c'est quoi le score? Je te laisse mettre ton score, du coup, Emel, sur le truc. Putain, j'avais fait tout ça. Et une fois que tout le monde l'aura fait, bah du coup, on pourra tester d'avoir le record. Yep. Et moi, je l'ai fait en 166 secondes. Alors, je vais juste ranger l'arc Ragnaland avec la flèche. Du coup. Et puis, on passera du coup à la deuxième personne. Par contre, alors attends. Hop. Le jump, quoi. Alors, on marche pas sur les plaques de pression, fais attention. Un truc qui serait stylé, tu sais, c'est quoi, Keops? Bon, c'est pas RP, mais genre, un truc avec une vitre au-dessus, tu vois, comme ça, les gens ils regardent en dessous d'eux et ils gênent pas là, tu vois. Oui, tout à fait, ouais. Ce serait génial. C'est la partie un peu chiante du coup, parce que j'ai pas de reset au niveau du chronomètre. Ah oui. Ou des potions de vie. C'est tout, hein, ça va vite quand même. Oh oui, tu changes les chiffres un par un. Ouais, c'est ça. Hop, là je suis à 9-9. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé du coup, Emel? Bien stylé. Ça va, ça t'a plu? Ah, carrément, j'ai envie de le refaire. Bon, on le refera après quand Mega et Crawler seront passés. Oui. Après, il y a l'épreuve des boutons, en fin de compte, bah, une fois que tu les connais, bon, tu gagnes beaucoup de temps grâce à ça, quoi. Ouais, carrément. C'est pour ça que moi, j'ai fait un plus petit score, du coup. Toi, le basket, j'ai cru que j'y arriverais pas. Basket, ça va, t'avais les bonnes trajectoires rapidement, moi, je trouve. Hein. Bah, j'ai cru que j'y arrivais pas. T'sais, je voyais les balles rebondir n'importe comment, je fais « oh là !» Enfin. Du coup, au niveau des slimes, bon, les slime balls, il y en a 19, c'est bon, il y aura assez. Je vais remettre un peu de fer et puis après, on va relancer une session du coup. Yep. Hop. Après, tu vois, le fait de. Au niveau du jump, en fait, c'est que tu peux très bien te rater au niveau du jump, mais aussi avoir de la chance au niveau des épées. Donc, c'est. Aussi. Ah non, le minecart, il est là-haut, faut que j'aille le rechercher. Ah oui, je l'ai laissé en vrac, comme un sale. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une session, j'en mets tout en place. Ha! Hop! Ah, mais. Ha! Mais be. Aïe! Qu'est-ce qu'il essaye du coup, c'est Crawler ou Omega? Stop! T'as cliqué sur le chronomètre! C'est vrai? Mais oui! C'est pas moi! Mais si, c'est toi! Mais c'est pas vrai, vous le faites exprès. Ça l'a arrêté là. Tiens, mais viens appuyer sur le deuxième. De quoi? Mais j'ai rien fait du tout. Mais si, c'est toi qui as sauté dessus. Tout est enregistré, j'ai tout dans la boîte, mon gars. Je vais te dénoncer. Moi j'ai senti un gros coup de vent dans mon dos qui m'a propulsé sur les plaques. En même temps, faut viser ailleurs que les plaques. On t'a dit pas les plaques de pression. Ça te dérange pas de mettre celui-là à 9? En appuyant, bah, il faut aller trop vite au niveau des impulsions, par contre. C'est la castagne! Castagnonnette, là! Ah, tu te bats avec les feux d'artifice? Attends, moi aussi. Tiens, on est en train de casser toute l'herbe, faut arrêter, là. Merci. A gagné! Ce gaspillage, quoi. Oh mon dieu. Oui. Oh. Oh. Regarde. Regarde en haut. Hop, ah. C'est bon, il a 0 là. Pas, j'en ai plus. Bon, ma Crawler, c'est quand tu J'en ai plus que 10, je vais me calmer. N'oublie pas d'activer le levier du coup. Tiens.
Oui, c'est vrai que moi j'ai perdu du temps. Il y avait un levier activé? Merci. Ouais, derrière le kart. Voilà. Voilà. Il y a encore les boules par contre dans le hopper. Hein, ouais, ouais, attends. Je vais chercher. Vas-y. Oh, je vais voir ça de plus près. Alors, l'idée quand même. C'est d'en lancer une par une, à mon avis, parce que tu sais, en fait, les boules elles vont se stacker sinon. Ouais. Putain, j'avais réussi en plus avant, il y a longtemps, quand tu l'avais, quand tu venais de le faire. Oh. Ah, tu l'as. Bah, je sais pas, j'en ai bah, ouais, le, la fois où on avait tiré plein de flèches dessus, là, j'avais essayé avant. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, t'as déjà. Tire. Ah, presque. En fait, faut tirer quand on avance, pas quand on recule. C'est pas payant, genre. Hein. Déjà, c'est que des boules, déjà. Là, ah, voilà. Alléluia. Allez, vas-y, fonce, champion. Fonce. T'es à 200 secondes. Fonce. Et, allez, petit pipi. Bon. Ah, faut obliger à prendre le, l'arc. Attends. Bah, arrête. Oui, bah, je suis coincé, là. Parce que si t'as flame, en fait, le truc, c'est que tu vas pas voir les... Si t'as bien appuyé sur le bouton, en fait. Oh, la chance, le premier qui tire, c'est le bon. Non, j'en ai tiré 3. Hein. Ah bon. Merde. Eh oui, moi je tire bien. Ah, là je l'ai raté, je crois. Ouais, là aussi. Putain, j'arrive pas à les toucher ceux-là. Bien. Ah, ça va, tu t'es bien démerdé alors. Ah, tu gères beaucoup mieux ça que moi. Hein. Putain, mais celui-là il est galère là. Non, mais de toute façon, c'est pas celui-là, là, il est sur un rocher, c'est pas possible. J'ai encore le vieux bug du bouton sur le, la canne à sucre. Putain, j'avais failli taper le dernier. Ouais. Attends, il y a vraiment des boutons sur les cannes à sucre? Des boutons. Non, non, c'est des filets, mais là, normalement. Des boutons. Et moi, j'ai un bug, je vois de l'eau, alors c'est pas mieux. Putain. Moi, je vois de l'acné. Il y a le droit de passer sur le rebord, là, comme j'ai fait, en fait, ou pas? Non, 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 pas du tout. Oh. Après c'était pour le retour donc. Vas-y, je te laisse réessayer. Ah c'est pour... bah oui même pour le retour. Ça a pas tiré par contre. Hein. Ouais, il a rien compris lui. T'as triché. Il a rien compris lui. Ah t'es à l'aise au niveau du jump. Par contre Daft vu que t'as déclenché le chronomètre la porte elle est déverrouillée déjà. Donc du ah, coup. Ah merde. Faut que tu passes à côté crawler mais c'est. Allez hop du premier coup. Non. What? Mais c'est qui ce cocu là? Putain il m'a enfermé dedans. Non, j'ai pas eu du premier coup parce qu'il m'a enlevé un fer l'enfoiré là. Bah oui, t'as triché. Et au final, j'ai fait plus de la moitié du temps sur le panier. Hein. Ah ouais, t'as battu Emel. Concrètement, oui. Bah... Non, non, il a pas battu. T'as passé plus de 200 secondes sur le basket. Le reste, tu m'as pulvérisé au niveau du score. Un bon score, ouais, clairement. Carrément. Bon. Allez, champion. Megavolt. À ton tour. À ton tour. Attends, je regarde si tout est mis. Normalement, tout est mis. Champion. Hein. Ouais, l'arc et le mancart. Oui, normalement, c'est bon. Franchement, là, je viens d'avoir une vue. D'un Daft Guy qui jetait des ordures par terre. C'est une honte. Non, non. C'est non, une honte. J'ai fait une invocation maléfique. Je suis en train de faire une invocation maléfique. C'est une honte. Tu jettes tes os de poulet, tu jettes ta poudre, non, tu jettes tes cailloux. Non, 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 non. C'est une honte. J'invoque la Sainte Fride de Monsieur Sama. Ok, alors tu viens pas me faire chier. C'est la Sainte Fride. Quand tu veux, mes gars, du coup. Ouais, parce que j'ai un petit peu de lag. Ok. Go, allez. Go, go. Du coup, faudra bien que t'actives le levier derrière. Hein. Ouais, ça par contre, faudrait que j'arrive à faire un truc automatique, je pense. Ça serait mieux. Ouais, une plaque de pression, un truc comme ça. Ouais. Juste là. Ah, mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est le pire. Le par contre, les ça, gars, c'est vous savez le pire. Quoi, quand j'ai fait le record à 166 secondes, la première slime ball, je l'ai. Je premier coup, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est toi qui as fait le jeu aussi. Oui, mais c'est vrai, mais bon. Partir, c'est bizarre. Ah, tu es sûr que tu les drops? C'est droppé comme un item, c'est pas clic droit. Ouais, tu jettes l'item, ouais, faut pas faire de clic. Voilà, ou quoi. C'est ça, mec. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression de faire du random, c'est affreux. Ah non, mais c'est horrible comme. Ouh, pas loin. Mais c'est horrible, lui, il s'en fout du match, lui regarde la redstone, tu sais. Non, je suis en F5 là, je regarde le panier. Ah, ah. Oui, ok, oh, pas mal. Ah, c'est bon. Oh, ah, GG, voilà. GG. Bien joué, mec. Tu sors du minecart, vite, va-t'en, va. Oh. Non, c'est pas un trampoline, hein. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, mec. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, mec, vas-y. Fonce. Bon, t'as fait mieux que crawler, pour l'instant. Donc, je dois tirer des boutons, c'est ça? Ouais, tu te mets dans le minecart, et puis il faut que tu ailles en minecart, par contre, mec. J'en ai un autre sur moi, ça tombe bien.
Voilà. Et là, tu dois trouver le bouton. Ok. Par contre, je serais toi, je prendrais l'arc que j'ai placé dans le coffre parce qu'avec les flammes, tu vois pas si t'as appuyé sur le bouton. C'est celui-là que j'ai pris. Hein. Non, y a pas flame dessus. Si c'est possible. Ah non, c'est moi, je l'ai inversé en fait. Ouais, attends. Tu l'as inversé, ouais. J'ai inversé avec sabotage. Lui. Oh, attends, il a saboté le score de méga. Ah ouais, c'est bon, il l'a trouvé quand même. Je te l'ai droppé. C'est bon, c'est bon, méga, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah ben là, t'aurais dû rester dedans. Prends le. Je te l'ai donné, l'arc qui s'appelle Ragnaland. Non, mais prends le main carte. Tiens, c'est celui-là. Mais reviens dans le main carte. Mais j'ai. C'est bon, j'ai trouvé le bouton, on m'a dit, non. Mais non, mais t'en as trois à trouver. Il y en a trois. Il y a trois portillons à passer. Ah, là, t'avances tranquillou. Faut juste que t'avances toi-même. Voilà, et là, c'est bon. Là. Et le prochain portillon, tu fais pareil. Je vais peut-être me retirer, moi. Eh ben oui, là, parce que. Ouais, sinon, tu vas prendre sur le bateau aussi. Hein. Et le cactus qui gêne. Décidément, j'arrive pas à le. Ah. C'est pas grave, vas-y, continue. Tu. Voilà, go. Joli. Laisse remonter dans le minecart du coup. Faut que tu remontes dans le minecart, ouais. Il est où le minecart? Sur toi. Dans ton inventaire, ouais. Ok, merci. Hop, le dernier. T'as toujours les boutons, Emel? Non. Moi j'ai toujours l'eau. Ah, les boutons. Oui, je les ai toujours les boutons sur les cannes à sucre. C'est très bizarre. Et moi je te jure, j'ai le même bug mais avec de l'eau. Des cannes à sucre adolescentes, elles ont de l'acné. Hey. Quoi? Joli. Maintenant tu peux sortir du minecart, ouais. Et tu fonces vers le jump. Allez, celui-là, vas-y, moi de truc, je pensais que c'était pas ça parce qu'il est. Par ici, méga, par ici, hop. De quoi? Lui, là, le truc, là, c'est jump ça, parce que moi, je pensais que c'était pas possible, vu qu'on. Là, on le voit l'eau, donc tu sais qu'il n'y a pas de redstone en dessous. Mais en fin de compte, c'était caché derrière. Ah, ouais, c'est pas con. Hein. Du coup, moi, je me suis dit, ça peut pas être celui-là, donc je l'ai tiré en dernier. Effectivement. Et ben voilà. Je t'avouerai que j'ai même pas réfléchi, moi. J'ai vu des boutons, je tirais dessus. Alors, par contre, méga, un petit conseil, ne t'arrête pas sur le dernier obstacle, sinon, t'as pas assez d'élan pour le franchir. Ouais, c'est ce que je viens de comprendre. Si, c'est possible. En s'arrêtant, c'est possible. Ouais, mais. Bien, ouais. C'est possible, mais c'est ce timing parfait en fait. Ouais, faut sauter. J'ai jamais réussi, moi. Faut avoir la frame data dans l'œil. Le compas dans l'œil. Alors, si tu. Presque. Ouais. Bah, c'est le bon truc, par contre. J'ai peut-être une idée. Ce sera un petit peu. Voilà. Mais non. Ah, il boit. Laissez-moi boire, j'ai soif. Oh, on n'aurait pas dit. Oh yeah, t'as failli aller plus loin. Il va avoir les trois épées. Du coup, tu reviens. Ouais, les trois épées. Hein. Ah, ça serait bien. Hein. Ça serait bien, ça. Si t'as les trois épées, je quitte le jeu. Je quitte. Oui. Et t'as appuyé sur le bouton, ouais. Oh. Ah bah non. Ça va, je quitte pas le jeu. Moi, j'aurais aimé, hein, mon perso. Eh. Hey. Mais non, oh, mais qui gagne, pas que tu quittes. Il était full le coffre de fer, méga. Non, il en manquait deux. C'est pas grave. De toute façon, j'en ai dans l'inventaire. Ah, presque. Ouh. Ah bah 0-0-0. Ah. Bon, l'avantage c'est que t'as pris le coup au niveau du jump. Je vais aller passer la nuit. Ah. Une surprise. Hop là. Et hop là. Hop là. Aïe. Oula. Tu gênes, méga, dégage. Mais ça y est, Kéops, il s'endort là, ça y est, face à toi. Jamel, on fait les gardes de sécurité d'El Jackpot. Voilà, garde de sécu. Oh là. Ça, c'est de la sécurité. Attends, moi j'ai l'épée et le bouclier. Ah oui, il dit. Oh, moi j'ai pas. Oh, t'as pas un deuxième bouclier? Non. Fuck. Toujours avoir un bouclier sur soi. Toujours. Mais t'es tout nu du torse, tu m'as tété. Et alors, je fais ce que je veux avec mes tétés? Ouais, j'avoue, regarde-moi aussi. Hop là. Ah, c'est ce que je veux avec mes tétés, quoi. Et hop là, balayage. Mais arrête de dandiner les fesses devant moi, là, balayage, ça descend. Balayage. T'as vu le balayage? Balayage. Putain. Ah, nice. Ah, joli. Yay. Vite,
Vite, vite. Je passe par où? Ça m'a s'ouvrir. Ça se déverrouille normalement. Ça a pas marché. C'est ouvert. Ça s'est déverrouillé. Ouais, je sais pas pourquoi c'est pas déverrouillé. C'est Daft, il a tout cassé. Ouais, c'est tout à l'heure. Mais faudra nous retirer une seconde alors. 500, que... ouais, vas-y. Faut que je change, 500, moi, allez, on arrondit à 570. 570. Tu peux m'en donner le bloc, s'il te plaît, Omega. Tu veux quoi? Le bloc que t'as dans la main. Bah, ma foi, c'était un beau jeu. Ouais, oui, c'était vraiment sympa, merci. C'est un beau jeu. Merci, les gars. Ça, je suis... Et tu me suis, hein, c'est pas vrai, hein. Herxal, qui est l'église. Tu sais pourquoi je te suis? Parce que j'adore l'odeur de la graisse. Non, moi déjà, c'est... Déjà, hein, première chose, moi c'est balayage, balayage, mais... Blé, blé, blé. Faut sortir, monsieur, c'est terminé. Et balayage, balayage, balayage. Tu peux pas. Si tu peux, si tu peux. T'as marqué ton score, du coup, Mega? Non, je le marque où? Vas-y, je te laisse le marquer, tiens, ici, il y a des pancartes. C'est pas con, ça. Ici, tu prends une carte et puis tu marques ton score et ton nom. Hop, c'est bon, ça a mis en place. Parfait. Bon, bah, si quelqu'un veut essayer, comme vous voulez, les gars. Je réessaye. Bah, allez. El patron. Ah bah, je suis déjà parti. Bien sûr, et che cacao. Allez, avance. Oh, d'un coup! Biatch! Tiens! 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 14! Tiens! Tu m'as battu, quoi! En plus, ici, tu connais les trucs si tu t'en rappelles. Non, je m'en rappelle plus! on va voir. Celui-là. T'es bien parti, là. Celui-là, voilà. Allez! Allez! Celui-là! Non! La même carte! Non! Ouais, continue. Ok. Mais non, ferme pas, trou du cul. Non, reviens. Ah, la vache. Allez, oh, il y a un autre minecart ici. Descends. C'est pas il fait du speedrun avec le truc, quoi. Speedrun. Et là, c'est le jump. Eh, si t'as le jackpot du premier coup, ça va être imbattable, quoi. Ah. Ah, là, déjà, là, c'est battable. Ah, ça peut être battable, déjà. Bah, n'empêche que... Vas-y, cheat! J'avais déjà pas du premier coup, ça va être insane. Ah! Ah bah non! Tiens! Tricheur! Non! C'est un sous-scène là qu'il faut aller, monsieur. Hein. Non! Tiens! Oh, voilà! Oui, ouvre-toi! Ouvre-toi! Oh le salaud! Plaaaah! D'ailleurs, on l'a retiré à 86! Oh, le schlag, il a battu direct, quoi. 86. Cheater. Vas-y, à moi. Attends, parce que faut remettre à zéro le truc. Bon, bah alors, je vais changer, hein. Hop. Mais tu peux changer le record. Oui. Oui, il faut que tu le fasses. Par contre, du coup, t'as des slime balls, normalement. Ouais. Hop. 86 secondes. C'est beau, ça. Bon, bah voilà, on se retrouve déjà pour la fin de l'épisode. Comme vous avez pu le voir, j'ai pulvérisé le record sur mon deuxième essai. Un grand merci à Keops d'avoir créé ça parce que c'est vraiment vraiment génial. Et c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien retrouver dans les serveurs multi. C'est le genre de mini-jeu comme ça où t'as un challenge où t'es constamment en train d'essayer d'améliorer ton record pour battre tout le monde, quoi, pour montrer que c'est qui a les balls, quoi, c'est qui le plus fort. Donc c'était vraiment sympa. Donc merci encore une fois à Keops. Et puis on essaiera de continuer à battre ce record. Mais je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud parce que déjà le basket en un coup, c'était quand même pas mal. J'ai un peu chié la partie avec le minecart. Et après le jump, je l'ai un peu chié aussi. Mais je pense que si j'aurais fait tout parfait, j'aurais pu faire un score de malade. Vraiment un score de malade. Bref, on va lire le commentaire pour cet épisode. Très bon épisode, ML. Tu pourrais ajouter de la stone dans le fond de la bulle savane pour avoir un peu de variation dans la moitié inférieure de la bulle. Aussi, pour l'éléphant, tu peux utiliser des boutons de pierre ou de bois pour les yeux. Bravo pour les arbres custom et bonne journée. John Shea.
J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Auquel cas, tu m'en excuseras. Effectivement, j'avais eu l'idée aussi de mettre de la stone en dessous. Après, je me suis dit, oh, je vais mettre que de la dirt parce que c'est quand même un terrain assez aride. Donc, je rajouterai un peu de stone en bas. Et j'irai même encore plus loin. Je rajouterai du granit andésite et diorite pour faire des espèces de patch de veines de stone un petit peu différentes de la stone classique. Je ferai ça un petit peu plus tard, quoi qu'il en soit. Pour l'éléphant, on pourrait rajouter des boutons. Je les rajouterai plus tard parce que flemme d'aller jusque là-bas, très honnêtement. Et du coup, j'ai fait une construction 5x5 dans l'immeuble. Et j'ai une annonce à vous faire vis-à-vis de ça. C'est que ça va être la dernière construction 5x5 que je vais faire pour la série. Donc celui que vous allez voir, c'est le dernier de la série, parce qu'on a quand même fait pas mal d'immeubles, mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a fait 6 immeubles, il n'y en a pas un derrière caché. Non, on a fait 6 immeubles avec plusieurs constructions 5x5, et il y en a même en sous-sol en plus, donc il y en a vraiment beaucoup. Et je pense que c'est pas mal, et on va s'arrêter là. Déjà, pour la simple et bonne raison, c'est que j'en ai plus beaucoup. Et pas la peine de m'en renvoyer parce que j'ai dit qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce que comme je viens de le dire, c'est la dernière construction 5x5 qu'on va faire ensemble. Enfin, qu'on va regarder ensemble. D'ailleurs, je dois rajouter ça. Parce qu'on m'a encore décapité pour faire cette construction, n'est-ce pas? Et il y avait aussi une petite erreur dans la construction que j'ai faite. Et justement, je vais la citer. Pourquoi j'ai mis les panneaux ici? Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, c'est une construction de Rocket 27. Donc voici ta construction. Alors... tu remarqueras que ta construction ne ressemble pas vraiment à celle que tu m'avais envoyée. La chose est simple, c'est que j'ai demandé du 5x5x5 et tu m'as fait du 7x7x5. Donc il a fallu que je réduise. Et heureusement que entre les deux là, c'était le vide, donc j'ai pu les rapprocher. Alors c'est vrai que ça fait moins bien comme ça, mais pour respecter le thème 5x5x5, j'ai pas eu le choix. Clac ! Donc tu m'as décapité pour mettre ma tête ici. Donc voilà, ma tête est ici. Et tu as l'honneur de faire partie... de la dernière construction. Donc Rocket 27, merci pour ta construction, c'était bien sympa. Nous on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Petite précision, j'ai vu que la plupart des commentaires de cet épisode là, enfin de l'épisode précédent, me parlaient de faire une nouvelle bulle avec un nouveau biome. Ouais, fais ce biome là pour après. Ouais, fais ce biome là pour après. Alors je vous tiendrai au courant quand est-ce qu'on fera une nouvelle bulle. En attendant, je vais pas faire de nouvelle bulle parce qu'on a l'immeuble à faire derrière au niveau de la ferme à Chorus, n'est-ce pas? Donc on a ça à faire. Il va falloir que je gère un petit peu les PNJ qu'il y a là-bas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il faut que je continue à les déplacer parce qu'il faudrait que je commence à farmer un petit peu les émeraudes, ça pourrait être sympa. Quoi qu'il en soit, voilà, il nous reste encore quelques petites choses à faire. Et dont aussi des fermes à carottes, patates, blé, beetroot, etc., etc. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Bye. Waouh, c'était dégueulasse. Bye.